Colonies, t'as pas neck, the colonies. Ça fait du bien de revenir à la maison. Ouf, ça fait longtemps qu'il n'y a pas une fenêtre ouverte ici. Ça sent enfermé un petit peu, hein? Ah, c'est moins pire que l'eau de Javel puis les petits vieux, hein? Ouais, il y en a une couple de mortes. Parle pas de mort, OK? Excuse-moi, hein, je suis venu, mais les deux, trois premières fois, là, mais t'as pas rendu compte, je pensais qu'il était en plastique. Moi, un petit coup de Swiffer, ben une couple de shots de plage, puis tout. Puis là, quand je suis revenu, il y avait une couple de fleurs sur le camp. Bon! Peux-tu faire quelque chose pour toi? Qu'est-ce que... Veux-tu un petit coussin? Tiens, on va te mettre un petit coussin. Tiens. Mets ça en arrière de ton dos, comme ça. C'est ça. Veux-tu que je te fasse chauffer des bines? Ah non, non, j'ai pas faim, merci. Non, non, pas une canne de bine. Des... Tadam! C'est quoi? Ça, je t'allais t'acheter ça. C'est un sac de bine que tu fais chauffer dans le micro-ondes. Puis après ça, tu te mets ça dans le bas du dos, puis là, l'affaire de ketchup. C'est parce que c'est pas là que j'ai mal, Rogatien? Nancy, le dos, c'est la base. Je te le dis, là, moi, là, des fois, je fais des journées, là... Il y a 12 heures, 15 heures dans la ligne, dans le taxi. Puis pas avec une petite affaire dans le dos, là, de... En bille de tapette, là. Direct sur le siège. Après ça, quand je reviens, il me met ça un petit 10 minutes en écoutant les nouvelles, là, puis... Je suis comme un flambant nu. OK. Veux-tu lire? Veux-tu lire? Je t'ai acheté le sentier chasse et pêche. Ça m'intéresse pas pantoute, Rogatien, ni la chasse, ni la pêche. C'est pas grave. C'est ce que j'ai pensé. Tadam! Le dernier Marie de la Barge! Marie de la Barge! Et toutes les femmes capotent là-dessus. Ça, ce qui est extraordinaire avec Marie de la Barge, c'est que quand tu files pas bien, là, tu lis ça, puis tu te dis, il y en a des pires qu'à moi. Fait que tu te lis un 3 pages par jour pendant 3 ans, puis le moral, là, de même, sky's the limit non-stop. Hey, c'est pesant, hein? Ah ouais, c'est un livre, ça, là. Non, mais c'est, pareil, c'est vraiment très bon, là. Ouais, peut-être, mais pas là, là. Bon, Nancy, profite-en, parce qu'aujourd'hui, je suis ton esclave. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Veux-tu que je te passe la balayeuse? Pas besoin. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? N'importe quoi? J'ai juste besoin d'un peu de calme. OK. Où c'est que tu veux qu'on aille? Veux-tu aller prendre une marche? Veux-tu aller quelque part? Assieds-toi. Assieds-toi, puis... Assieds-toi, puis ferme ta gueule. Ouais. Essaye de comprendre, Gatien. Tu sais, j'ai vécu beaucoup d'émotions dernièrement. Là. Ça, c'est pas contre toi. J'ai juste besoin de tu sais...
Asti! Ils ont collé dans le sac! Tabarnak! Je savais que j'allais acheter le vrai. Sais-tu pourquoi les filles cute... Hey! Écoutes-tu? Oui, écoute. Sais-tu pourquoi les filles cute, ils n'ont rien à dire? Non. Parce qu'ils pensent que c'est pas nécessaire. Ils pensent qu'ils sont arrivés, ils sont rendus, c'est réussi, ils sont au top. Parce qu'ils sont surévalués. C'est comme un premier choix de repêchage canadien de Montréal. Doc Wakenizer, flop. Alfie Turcotte, méga flop. Lindsay Varis, méga super flop au cube carré, du cube carré d'un flop cube. Esti. Lindsay qui? Varis. Chou. Tu te rappelles pas? Maintenant, autre exemple. Patrick Roy. Repêché quelle position? Non, Johnny, je connais pas tes classiques. 51e. 4 coupes cette année. Hall of Famer. Lui, là, il était sous-évalué, fait qu'il a surperformé. Tu comprends-tu le principe? Donc, si t'es couché avec quelqu'un, vas-y pas qu'il y a le Futurcut ou Lindsay Varis. Couche avec... Avec Patrick Roy. Tu coucherais avec Patrick Roy, toi? Voyons, Johnny, je te dis des affaires intéressantes, moi, là, là. Je coucherais pas avec Patrick Roy, Patrick Roy. Je coucherais avec... La Patrick Roy des filles. Filles qui décrochent? Pourquoi pas? De toute façon, mon principe, il est simple. T'as le choix. Ou bien non, tu couches avec la plus belle des laides ou la plus laide des belles. Puis souvent, c'est la même. Même chose, là, comment il s'appelle, Asti, là, la théorie de la révolution, Darwin. Théorie de la révolution, il en parlait déjà. La révolution. Ça, c'est le premier. Mais la théorie de la révolution, c'est son deuxième, le sequel. Tu l'as pas lu? Meilleur que le premier, je trouve. Ça finit, la fin est mieux ramassée, on dirait. Anyway, c'est pas de ça qu'on parle, là. Pas pourquoi t'amènes ça sur le sujet. Ce dont on parle, là, c'est que la petite fille cute, elle a pas besoin de s'affaisser autant. OK? Mais la petite lettre, par exemple. Sous une petite lettre, là, qui chronique à la TV, ou pire que ça, qui est Miss Météo à TV. Dis-toi qu'elle est surqualifiée en esti. Elle a un bac en météo, un doctorat en météo. Elle a inventé le style de thermomètre, OK? Mais une fille cute. Elle n'a pas besoin de ça. C'est pas correct, dans le fond. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a comme une forme de racisme envers le pichou. On pourrait appeler ça comme du pichouisme. Pas juste. Non, mais d'un autre côté, le pichou, ça drape très vite. Très, très jeune, un pichou, ça apprend à raconter une anecdote et c'est un esti de temps. OK? Intérêt, hein? Oui, monsieur. La petite moche, là, elle apprend à faire des petites phrases courtes puis vite parce qu'elle sait qu'elle va perdre notre intérêt. Elle voit dans nos yeux qu'on se dit, ah ouais, le pichou, esti, enchaîne, calisse, pas rien que ça à faire. Comprends? Mais les belles filles, par exemple. Ah, ça, ça parle, là. À pip, 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 pip. Tu vois-tu l'horizon là-bas? Ça, c'est la fin de sa phrase. Puis quand elle est rendue au bout, elle en a un autre. Puis quand elle est rendue au bout, elle en a encore un autre. Hier, j'ai fait ci, puis avant-hier, j'ai fait ça, puis là, j'ai dit ci, puis elle a dit ça, virgule, puis virgule, puis virgule. Virgule, virgule, virgule. Exactement. C'est pour ça, Johnny, que le challenge, c'est de trouver une fille cute qui parle pas en virgule. Penses-tu que tu vas en trouver une? Point d'interrogation. Bonjour. Excusez-moi, là, je sais que c'est pas poli de faire ça, mais je trouve que je suis impressionné. Ah oui, bon. Parce que vous êtes belle à l'écran, mais en personne, là, c'est comme wow. C'est pas la même affaire? Je check un petit peu. En plus, moi, là, à la même place que vous, là. Ouais. À la même place, là, sur le même banc. Ouais. J'ai déjà eu Séraphin. Ah oui, Pierre était assis ici. Oui, madame. J'en perds, si la perds. C'est la première fois que ça m'arrive. À part Anne-Marie Lozic, je parle, là.
T'as pas que tu? Pas même pas tout à fait. Puis en plus, je dis pas ça pour me vanter, là. Mais c'est la fin, là, le film. Je l'ai vu. Ben, avez-vous aimé ça? Oh yeah. Oui? Mais, okay. Une petite déception. Je vais commencer avec le négatif. J'ai moins ri que je pensais. Avec Séraphin? Ouais. Ben, c'est sûr, c'était pas le film pour rire vraiment. Hein? Ben, c'est ça qui était trompeur. Je trouvais que le poster, c'était un peu de la fausse représentation pour ça. Mais il était pas drôle, le poster de ben Séraphin. Là, si, ils mettent mes hauts avec un petit casque des années 40. Moi, je l'ai vu dans les Boys. Là, je me suis dit, hey, là, ça va être drôle, viens en chier. Tu dis, on va rire comme des malades. Puis là, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ça, le film. Quand non, pas tout à fait. Ça, c'est plus dans la série télé. Dans le film, on rit un peu moins. Dans Séraphin, là, je trouve que vous êtes passé à côté, là, pas à peu près. Ah ouais? Passé à côté de quoi? Les produits dérivés, madame. Pour Séraphin, les produits dérivés? Oui, madame. Comme quoi? Ben, n'importe quoi. Quand le monde embarque de même dans une affaire, t'en profites, t'as dit, bang, t'es ramassé tout de suite, schlack! Schlack, faut que t'es ramassé tout de suite. Puis là, tu saignes le monde, puis là, tu vas tout chercher, là, t'sais. Tu lui vends des tasses en terre cuite, t'as dit, des tartes, des tourtières Donalda. La mère à Céline Dion l'a vendu. Faites-moi pas croire que Donalda n'aurait pas vendu une coupe de pâté, t'as dit. Puis ça, c'est sans compter Séraphin de Video Game. Ça, là, un jeu vidéo de Séraphin? Ouais. Hein? Sur PlayStation? Hein? Un jeu vidéo que, tu sais, Séraphin court après Donalda, si puis elle, faut qu'elle ramasse les brosses à plancher avant qu'il la trouve. Puis là, après ça, elle, faut qu'elle trouve les scènes avant qu'il trouve les scènes pour qu'elle réussisse à se pousser avec Alexis. Puis là, tu mets des étapes de même, là, tu sais, je dis ça comme ça, là, mais là, tu mets des vrais hot là, là-dedans, là, avec les graphiques, puis toutes les cascades. Puis là, tu mets à peu près 20 étapes, puis à la fin, il faut que tu essayes de manger un pot de confiture le plus vite que tu peux avec tes mains, là, tu sais. Non, c'est sûr qu'il fallait finir avec le pot de confiture, ça, c'était certain. Bien, c'est l'affaire du film, là. C'est sûr. C'était très impressionnant, là. Ouais. Avec un pot de confiture, tu fais exploser le théâtre comme ça. J'ai trouvé ça... Des fois, à brailler, ça mange de la confiture aussi. Oui, oui, non, c'est sûr, mais c'est juste que moi, je mange du cheese whiz des fois. Ça m'est jamais arrivé, là, tu sais, de me faire une toast au cheese whiz puis de partir à brailler. Mais en même temps, je suis conscient que c'est pas la même époque, là. C'est pas la... Non, pas tout à fait. Oui, madame. Moi, là, on se parle en tant que productrice, là. Ouais. Si jamais, moi, j'avais à refaire un personnage de TV, un remake, là... Ça serait quoi? Moi, je suis prête à vous le donner, le projet, si je joue dedans. Vous dites ça en tant que productrice, là, je vous donne une petite idée, là. C'est quoi votre idée? Saint-Faurier, the movie. Le film. Saint-Faurien, deux points... Le film, point d'exclamation. Excusez-moi, je vois le poster du site, là. Pis ça marcherait, mais comme sérieusement. Moi, Saint-Faurien, c'est pas vraiment de ma génération. C'est lequel, ça? Vous avez jamais vu Saint-Faurien? Non, j'ai jamais vu ça. Hey, là, vous avez manqué quelque chose, là. J'imagine. La Tulipe pis sa gang, c'était des vrais comiques. OK? Eux autres, là, c'était tout pour la joke dans ce temps-là. Eux autres, là... Il embarquait, asti, puis à go, on commence, puis on finit quand le monde va pisser dans leurs culottes, puis c'est tout, point final. Hey, Gilles Latulippe, asti, c'est notre Charlie Chaplin. Un bout de tape électrique en dessous du nez, asti, bang, on est parti pour une demi-heure. Puis on pourrait faire ça ensemble. Moi, je ferais Saint-Faurien, puis vous feriez Mademoiselle Espérance. Qu'est-ce qu'elle faisait, Mademoiselle Espérance? Mademoiselle Espérance? Je la connais pas non plus. Ben là, c'était comme le personnage principal de Féminin. Avec tout le temps des robes avec des fleurs. OK. Puis, chaque fois que Saint-Faurien sortait d'une pièce et qu'elle cherchait, elle rentrait par l'autre porte. Puis Saint-Faurien venait juste de sortir par l'autre porte. S'il se manquait, là, c'est juste esti qui se manquait par la mauvaise porte. C'est ça qui était drôle. Ben oui, c'est ça qui est drôle. C'est comme un gros théâtre d'été, en fait, tu sais, qu'il se court après. Ouais, ben, puis... du budget, là. Des fois, elle se mettait la main sur la hanche et elle disait c'est encore de la faute à Saint-Faurien la perle. C'est encore la faute à Saint-Faurien la perle. Esti, on est en business. Si tu voulais ça, qu'ils disent que quand vous tournez un film, ça vous prend une journée pour tourner deux minutes. Ben, ça dépend, mais des fois, ça peut ressembler à ça. Ben, voyons là. Si. Moi, Noël, l'année passée, la veille de Noël, là, avec ma caméra à moi, là, 6 cassettes de 2 heures, si. Rien que du bon stock, puis j'étais chaud d'ail un peu. C'est bon ce que vous avez filmé? Bon. Ouais, c'est drôle. Pas rien qu'un peu. Moi, là, je suis le moins drôle de ma famille. Ah ouais. Mes beaux-frères, là, eux autres, à pleine face dans le punch, là. Ça doit être beau, c'est hein? Drôle en esti. L'année passée, c'est-tu qu'est-ce qu'ils ont fait pendant qu'il y en a qui mangeaient puis tout ça? Non. Ils ont mélangé d'entiers.
Puis après ça, si le monde essayait de se mettre ça dans la gueule, puis ça fitait pas. J'ai tout ça sur une cassette, ça dure à peu près 45 minutes. Ré, là, si ré de même, ça se peut pas comme on convient. Ben, il vous manque juste un producteur là, pour mettre ça ensemble puis faire un super bon show, là. Ben, chanceux comme je suis, j'en ai une extraordinaire sur la banquette arrière de mon char. Ben, faudrait voir les cassettes, il y a peut-être des bonnes affaires là-dedans. Vous avez un vidéo Betamax? Hein, à quoi? Un Betamax. Non. Ah, ben, oh, vos cassettes sont en Betamax? Ah, ben non, j'ai pas le vidéo. Ah. Esti. Hey, là, on vient de passer à ça, de faire de la business ensemble. Ben oui. Oh, OK, je viens de comprendre, là. Et quoi qui sent ça, monsieur, t'as lâché des fromages? Ouais. Je regardais ça à l'épicerie, l'autre jour, là, je me disais... Il y a trop de fromage aussi. Quelqu'un peut pas se comprendre là-dedans. Voyons donc. Impossible. Impossible. Moi, dans la vie, j'ai pas besoin de tous ces fromages-là. Moi, le petit fromage en crotte qui fait squeak-squeak, en slice jaune-orange, asti, datit, datsaw, avec ces deux-là, merci, bonsoir. Puis les noms, c'est qui trouve ça, les noms? Il y en a qui font de la capine un peu trop, là. Non, mais tu sais, pied devant. Pied devant. Ah bon? Je savais pas que le vent avait des pieds. Il y a pire que ça. Il y en a même un qui s'appelle les crottes du diable. Les crottes du diable. Bolonchier. Sérieux? Hein? Ben voyons, non, ça a donc bien pas de classe, Caurice. Les crottes du diable. Elle peut se forcer un peu, je sais pas, appeler ça un numéro 2 du démon. C'est sûr que c'est moins compliqué avec du cheese whiz. Ah, ben oui. Ben là, on commence à se parler de fromage, le cheese whiz, par exemple. J'adore le cheese whiz. Là, tu viens de tomber dans mon braquette de fromage en assis, toi-là. Raison principale pour laquelle j'adore le cheese whiz, il est jaune-orange. J'aime ça. Ça a l'air pas important pour la majorité du monde, mais moi, quand je me lève la nuit, j'ai un petit creux, j'ouvre mon frigidaire. Même si ma lumière de frigidaire est pétée, j'ai loué le pot de cheese whiz en plein milieu du fridge, j'ai dit, glow in the dark. Je sais quoi manger. Bang! Bang! Tout de suite! Ça, là, c'est un coup de génie du gars de marketing. Génial. Mais, il arrive quand même pas au mollet du gars qui s'occupe du marketing du fromage en crotte. Lui, là, est-ce qu'on devrait lui donner le Nobel de marketing? As-tu remarqué, il est où, le fromage en crotte? À côté de la caisse, est-ce. Tout le temps à côté de la caisse. T'en vas même pas là pour ça, est-ce, t'en achètes. Puis, si tu veux savoir le fromage en crotte, en passant, un petit truc, parce que moi, ça fait longtemps que je connais ça, là. Tu veux savoir s'il est bon, là? Faut qu'il y ait juste un petit peu de jus dans le fond. Puis que quand tu le squeezes, il fait... Comme ça. Pas plus haut que ça. Puis pas plus long. Sinon, ça veut dire qu'il est plus frais. Tu comprends-tu? T'en manges-tu de ça, toi, du fromage en crotte? Je préfère le gruyère. Le gruyère? C'est lequel, ça, le gruyère? Celui avec les trous. Celui avec les trous. Moi, là, la seule affaire que je mange, qui a des trous dedans, c'est des beignes. Call me classic. Mais je suis vieux jeune même, moi. J'ai une question pour toi. L'autre jour, je vais chez des chums, puis ils me servent un fromage, style, là, un brie. C'est ça? Est-ce que tu ça, comme nom? Tu sais, celui qui a l'air d'une poque d'hockey avec une couche de flat pas sec par-dessus. Là, je savais pas quoi faire si j'étais fourré, là. Quand est-ce qu'on mange la croûte? Ça dépend des fromages. Tu vois, c'est ça qui m'énerve, ça dépend du fromage. Pourquoi c'est pas clair, si le pain, c'est clair. D'ailleurs, le gars qui inventerait le pain tranché, déjà pas de croûte, fait fortune. Fortune! Chaque fois que je vois les Dion, là, parce que je l'ai déjà eu dans mon taxi, les Dion. J'ai déjà eu, moi, deux fois, si. La prochaine fois que je l'embarque dans mon taxi, faut que j'y dise ça, si elle va parler de ça avec Gadois. Faut que je prenne ça en note, si, quelque part. Pas de papier, si. Si! Chaque fois que je m'écris dans la main, ça me chatouille, si. Des idiots. Et de la misère à finir, si. OK, elle l'est.
Mais là, ton sac de fromage, toi, là, quand tu vas arriver chez vous, tu rentres pas ça dans la maison, aussi. Ça, tu mets ça sur la corde de linge, puis t'éloignes ça le plus possible de la maison jusqu'au moment de servir. Si je fais le pas bien. Si je baisse la fenêtre, là, ça te dérange-tu bien gros de tenir ton sac dehors? Parce que si tu m'as fait sans connaissance. Mais non, non, je vais faire ça. Juste sur le bord, là-même, c'est bon. Si Lise Dion, t'es capable de vendre du pain, je vois pas pourquoi tu serais pas capable de vendre de la confiture, madame Vanhoef. Ça, c'est sûr. Les deux ensemble, si ça aurait été écœurant aussi. Ben oui, ça, c'est une tartine.